On salue la compagnie, nous sommes à Yvetot et ça y est, c'est parti pour Pauline pour ses heures de conduite avec l'auto-école Stitch. Hop, voilà, c'est parti. Coucou tout le monde. Coucou. Alors, on avance. Qu'est-ce qui se passe demain? Bilan du vide-grenier, déjà, enfin du vide-maison. Du vide-maison, oui. Ça fait bizarre de voir la maison se vider, n'empêche. Ah ouais, trop bizarre. Les meubles, ils partent, il y a les objets qui partent. Il y a eu pas mal de trucs, surtout dans tous nos objets, quoi. Bah, au total, ouais. On aura quand même fait à peu près 800 euros sur le week-end. Franchement, c'est bien, quoi. C'est bien. Mmh. Voilà. Moi, j'ai gagné 2 euros. Et puis, pour le reste, en fait, on a quelqu'un qui nous propose de nous racheter tout le reste. Alors, moi, j'attends de voir. Voilà. J'attends de voir ce qu'il en est. J'ai dû envoyer quelques photos à la personne concernée qui va se déplacer en fonction de qui reste. A priori, c'est une patrique qui est assez courante. Voilà, donc on va bien voir. Moi, j'attends de voir que les choses se fassent, que les gens viennent vraiment pour voir ce qu'il en est. Sinon, concernant le reste du affaire, des affaires. En ce qui concerne encore quelques trucs perso qui, pour l'instant, vont aller dans le local de stockage à Saint-Val. Le reste, après, sinon, ça sera pour Emmaüs. C'est quoi? Voilà. Emmaüs, ouais. C'est une association en fait hein, qui recueille, qui prend beaucoup d'objets et qui les rénove pour les revendre aux plus défavorables. Pas forcément aux plus défavorables. Pour la cause des défavorisés, on va dire. Voilà. Mais ils revendent à tout le monde. Voilà. Sinon, hier soir, Pauline a commencé sa première heure de conduite. Suite cet après-midi. Et elle est contente parce que finalement, elle a pu condenser un maximum de ses heures et elle aura fini toutes ses heures de conduite pour le 14 mai. Voilà. Donc, ce qui n'est pas trop mal au niveau de nos dates. Matteo, lui, normalement, il a des examens jusqu'au 16, 17, 18 maximum. On espère pouvoir signer la maison en plus dans ces dates-là. Parce que déjà, on a envie de partir, clairement. Ouais, et on n'a pas envie qu'on passe notre anniversaire ici, mais plutôt chez nos grands-parents. Ouais, ils aimeraient bien voir les grands-parents, c'est un petit peu normal. Quoi. Mmh. Avant d'aller partir au soleil. Au Maroc, à l'Espagne. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué. On a franchement envie de bouger, quoi. Ouais. Voilà. Sinon, normalement, j'ai le C25 aussi qui doit partir. J'ai remis les annonces à jour. J'ai eu quelques prises. Donc, à mon avis, je pense que ça devrait le faire. On va vous tenir au courant. Et à quelle heure déjà? De quoi? Quelle heure demain? Le lave-linge. Oui, il part. C'est intéressant. Le lave-linge s'en va demain à 16h. C'est très très intéressant. Voilà, mais sinon, le C25, du coup, je vais aller essayer de le démarrer. On va voir ce qu'il en est. Juste pour savoir s'il faut recharger la batterie. Parce que normalement, il démarre sans problème. Quoi. Bon, allez, on va se le tenter de démarrer la chose. Bon, ouais, on avait mis un petit peu de bazar dedans, hein, parce qu'avant on avait bon espoir de pouvoir l'emmener jusqu'à la déchetterie. Voilà, puis du coup c'est resté en stand-by. Hein, et du coup ça sera livré avec. Hein. Bon, allez, par contre avec le téléphone, je sais pas si je vais y arriver.
On va tenter le coup. Alors. Hop. On va essayer de voir, du coup, l'installation. Alors, j'essaie de filmer en même temps, mais c'est pas évident. Donc, la manœuvre, j'appelle ça la manœuvre à la Starsky et Hutch, consiste à chanter déjà ces deux fils-là pour allumer le tableau de bord. Enfin, en tout cas, une partie du tableau de bord. Voilà. Et après, en principe, quand on touche là, comme ça, allez, pépère. Pas gagné, hein. C'est pas gagné. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Bon. Eh ben, on va le laisser tourner un peu. Voilà, ça va charger un peu la batterie. On va juste vérifier que il y a toujours la courroie d'alternateur qui avait été bidouillée par, par un poteau. Alors, ouais, c'est bon. C'est bon, ça y est. Bon, bah nickel, on va lui dégourdir les pattes. Heureusement, il n'y a pas qu'une porte.
Bon, les faux filous, depuis 2 jours, j'ai une baisse de morale. Bonne, bonne, bonne baisse de morale, parce qu'on n'arrive pas à avoir les dates pour tout. C'est très compliqué, pour la maison, pour les examens de Mathéo, pour plein de choses. Donc, ce qui fait qu'on n'arrive pas à fixer déjà un moment de départ. On n'arrive pas à savoir sur quel pied danser. Donc, on attend toujours la date définitive du notaire. On fournit tout au fur et à mesure, mais on n'arrive pas à joindre les gens. Enfin, c'est compliqué. Donc, c'est stressant. Voilà. Donc, moi, j'ai eu un gros coup de cafard. J'ai même pleuré, pour tout vous dire. C'est dur, c'est difficile. C'est important de vous dire qu'en fait, c'est pas toujours facile, quoi. Donc, voilà. Je vais travailler la journée. Je rentre le soir. J'essaie de faire le point, de faire ce qu'il y a à faire. Et au final, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire avancer. Il y a aussi les passeports. Et je me disais qu'à un moment, il faudrait que je vous en parle. Et je me dis, là, c'est le moment parce qu'on vient d'avoir les dates pour Mathéo. Il vient d'avoir enfin ses convocations, sachant qu'on lui avait dit que ce serait tout pour le mois de mai. Donc, à partir de mi-mai jusqu'à fin mai. On s'attendait à ce qu'éventuellement, il y ait un peu de dépassement. Et comment dire, alors c'était censé être à partir du 16 mai jusqu'à la fin du mois à peu près. Voilà, jusqu'à la fin du mois. Va falloir qu'on gère. Mmh. Donc je vous montre ça. Donc voilà. Donc comment sont finalement réparties les épreuves de Mathéo. Donc il commence le 17 mai. Alors il en avait déjà fait une en anglais, si vous avez eu l'occasion de voir sur les anciennes vidéos. Et là, maintenant, voilà les épreuves qui lui restent, donc du 17 mai. Alors, on lui avait dit en plus que tout serait sur IFTO. Au final, il n'a qu'une épreuve sur IFTO, deux épreuves, mais sur IFTO, mais fin mai et puis fin juin. Voilà. Alors, vous voyez, en plus, bon, c'est bien foutu, parce que chaque fois, c'est quelques petites heures, quoi. C'est pas genre, on fait une quantité pas possible. Ah, il y a cocotte qui sonne, la bonne potée, je vous montrerai ça plus tard. Et il a sur le Havre, le Ménilénard et IFTO. Donc il va falloir qu'on trouve des points de chute, ça va pas du tout être simple. Ah, il va travailler dans tous les sens. D'ailleurs, si vous êtes pas loin et que vous avez la possibilité de nous accueillir avec le bus sur ces jours-là, ce serait cool. Sinon, on va chercher des spots, mais voilà, c'est pas pratique du tout. Alors, au mois de juin, du coup, Stéphane disait que peut-être on sera quand même descendu dans le sud et il remontera avec la voiture. La fameuse Titine, elle nous sert quand même. Du coup, on partirait à 3 véhicules. On partirait à 3 véhicules, et oui. Voilà. Bon, à moins qu'on parte avec le véhicule de Pauline et puis on monte. Il va falloir qu'on se pose pour... Va falloir qu'on réfléchisse. Voilà, c'est ce que je voulais exprimer, c'est que ça engendre des difficultés, tous ces changements de planning, c'est compliqué. Ouais. Dans tout ça, il faut qu'on gère tout ce qui est paperasse, la nouvelle domiciliation, la gestion pour les passeports, donc dans l'idéal, une fois la nouvelle domiciliation validée. Et encore une fois, l'administration merci, quoi, parce que c'est pas comme si on se renseignait pas. Depuis le début, on se renseigne, on nous donne encore une fois des mauvaises informations, et c'est à la dernière minute qu'on a ces surprises. On attend encore notre date pour le notaire, on n'arrête pas de rappeler, alors soit on a le répondeur, soit on nous dit que pour le moment, il faut rappeler. Non, on dit pour l'instant, de toute façon, on peut pas, tant qu'ils ont pas tout... les diagnostics, donc sachant qu'aujourd'hui j'ai fourni le diagnostic pour l'eau, mais il manque encore celui pour l'entretien de la chaudière, et là le rendez-vous est le 6 mai, donc ça voudrait dire potentiellement que si on suit ça, avant d'avoir donné le papier du 6 mai, on va pas nous donner le rendez-vous. Et après, les acheteurs, pardon, ils ont aussi leur notaire, donc il faut que les deux notaires puissent choper le même créneau. Il y en a marre. Voilà, donc faut avoir les nerfs solides quand même, donc pour arriver à trouver des solutions à tout ça. C'est pas top pour Mathéo, Voilà.
Parce que dire à un jeune qui fait ses études, qui a ses examens, qui bosse tous les jours, que les dates qui étaient prévues, c'est pas ça finalement, bof. Bon, alors ça va encore à la limite que c'est dans ce sens-là, parce que il aura plus le temps de réviser. Ouais, on va voir le côté positif des choses. Il aura fini en fait en mai avec tout ce qui est général. Ouais, tout ce qui lui plaît pas en fait. Voilà, alors que après ce sera du coup ce qui lui plaît, qui va rester. Donc pour bon, à la limite, voilà. Par contre, il va falloir appeler en plus chaque chef d'établissement pour l'organisation, comme c'est spécifique. Donc ça, c'est un peu, puisque Mathéo a un tiers-temps, il a le fait qu'il utilise l'ordinateur. Donc il faut à chaque fois appeler les chefs d'établissement différents pour organiser. Voilà, du travail sur la planche encore. Et puis bon, cet après-midi, on va essayer d'oublier un petit peu tout ça. Moi, ce soir, je travaille, je fais la nocturne avec les enfants, je fais du théâtre et tout ça. Et on va vous faire, parce qu'on est en retard du coup, la mise en bouteille du kéfir, la suite. Je vais vous montrer la potée que j'ai fait. Voilà, bisous, bisous. En seconde heure de conduite. Ça se débrouille plutôt bien. Hier, la monitrice lui a dit qu'elle s'en sortait super bien. Voilà, c'est peut-être pas avec les leçons qu'elle a fait avec son papa à Montélimar. Voilà, en tout cas, c'est pas mal du tout ce système, cette auto-école Stitch. Ça lui permet surtout d'avoir son permis pour pas plus de 700 euros. Et c'est une auto-école qui prend aussi intégralement le CPF. Donc ça peut être une bonne combine. Voilà la bonne potée, voilà, avec des saucisses de Toulousaine, des saucisses de Toulouse, du lard, des navets, des patates, des carottes et le chou. Voilà, tout ça est parti du fait que dans le colis dernière date à Leclerc, il y avait du chou. Donc on a fait une bonne potée. Alors là, c'est la petite gamelle que j'ai préparée pour Pauline, moi et Jade tout à l'heure. Et le reste de la famille, il y a tout ça. Il y a de quoi manger. Miam miam. Il y a même pour les animaux. Ah, tout le monde va pouvoir se régaler. Ah oui, puis vous avez dû voir en passant le kéfir. Donc là, je vais faire comme Mamie Nomade m'a expliqué. Je vais ouvrir le bocal. Je vais presser les citrons bio qu'elle avait mis dedans. Retirer les raisins, les figues, les garder de côté pour faire éventuellement des gâteaux. Et ensuite, je vais filtrer le jus. Alors, normalement, moi ou Stéphane, si on n'a pas le temps, pour le mettre dans ces jolies bouteilles que Steph m'a trouvées exprès pour avoir notre petite réserve de kéfir. Et ensuite, rebelote, on commencera, mais il faut que j'aille acheter ce qu'il faut parce qu'il me manque quelques ingrédients. Regardez comme ça pétille. Alors du coup, mettez-moi en commentaire si vous avez déjà bu du kéfir, hein, si vous connaissez, et si vous en avez déjà fait vous-même, si vous avez des recettes spéciales. Alors, dernière étape. Dernière étape. Pour la préparation du kéfir. Du coup, sortir la figue, les raisins, j'essaie de tout choper. Vous pouvez les jeter, ça, ou vous pouvez les utiliser pour faire des gâteaux, quelque chose. Tac. Et après, le truc, c'est que j'ai besoin de ton aide pour mon gros bocal où tu tiens la passoire. Donc, on passe ça.
faut récupérer le jus tout seul. Voilà, alors moi j'ai fait le choix, je vais faire le choix de garder le kéfir au fond pour en refaire un directement. Les petits pépins, mais bon, c'est pas très grave. Tac. Okay. Et voilà, et le kéfir du coup va se multiplier. Donc vous pourrez en donner à tous les poteaux. Les poteaux ! Voilà, et pour le conserver comme ça, vous mettez avec un peu de sucre dans le frigo, si vous n'en faites pas tout de suite. Ok, dernière étape. On met en bouteille. Les belles bouteilles que Steph m'a achetées au Leclerc l'autre jour, parce que j'en ai demandé. Donc. Oh, dis donc, t'as demandé un truc et je t'ai écouté. Ouais. Du premier coup là, bah, c'est-à-dire que t'étais au magasin. Ah oui, ça aide dit, déjà. Tu prends les bouteilles et je t'ai pas donné autre chose à prendre. C'est vrai. Donc ça aide. Voilà. Une consigne et c'est parfait. Bientôt on passera à deux, on essaiera. Alors à mon avis, pour éviter d'avoir le transvasage à la louche à faire, ce qui peut être pas mal, c'est d'avoir un récipient avec un bec ou quelque chose et on verse directement. Ouais, on n'a pas encore ce qu'il y a de plus pratique. Bof, on s'en fiche en fait. C'est vrai. On a le temps. Il n'y a pas de problème. On a le temps. Donc je vous préviens, la vidéo en fait va durer 45 minutes. Non. Et après du coup, dans les bouteilles, vous les gardez un petit peu encore. Quelques heures, ou même encore 24 heures, à température ambiante, fermée. Et après, vous le mettez au frigo pour le boire bien frais, parce que c'est meilleur. Pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo, la première partie de la réalisation du kéfir se trouve dans la vidéo d'avant. Je vous invite à aller voir, du coup. C'est important de mettre dans des bouteilles en verre. Jeanne ne veut pas partir de notre lit pendant qu'on le fait, donc attention. La nappe sur la table. Je veux une table. Allez, in. Revoyons cette scène au ralenti. Allez, sinon, on vous dit bonne nuit parce qu'on vous...